Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons le royaume des Odris. Et dans lequel nous sommes entourés d'alliés incompétents. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Voyons voir. Allez, essaye de passer si tu l'oses. Ouais, alors eux ils ont la peste. Donc je les ai foutus en dehors. Je les ai ramenés en dehors parce que. Pas ouf quoi, j'aime pas trop. J'ai toujours la menace Sparte. J'ai même un peu peur des jets. J'ai pas de son. Si, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est gratuit. Oh bah, c'est gratuit encore. Bah, c'est gratuit, non, mais ça va. Bon, j'ai pas les troupes nécessaires pour. C'est vrai, il y a la Galice aussi. Ah, la vache, j'avais zappé ça. Un petit problème avec la Galice. Traité de paix. Non. Non. Le but, c'est de m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et de prendre la cité là. Ah, fait chier. Ça me baissait l'ordre public, ça à fond. Voilà. Dès que j'aurai reconstitué encore un peu. C'est quoi ça, un espion? J'ai peur qu'il fasse une tentative d'assassinat sur mon roi, lui. Il est pas chez lui donc il va pas reconstituer de suite. Voilà. Hop, je vais me mettre bien juste devant ici. Je vais faire une embuscade pour que mes troupes soient un peu plus fraîches. Absolument, ouais, ok. Non, ça c'est moi ça. Ok. On va voler de la nourriture. Ils sont pas loin, ils sont là-bas les Lugiens. Ils ont beaucoup de territoire. Et j'ai pas envie qu'ils gagnent de l'influence. On pourra peut-être faire tomber Soloka au prochain tour. Je l'espère. Ça se passe comment avec ta femme? T'as une épouse aigrie et tu passes à une autre épouse aigrie, toi. T'as vraiment pas de bol. Hein. Je sais pas comment tu fais. Hein. Paiement, non. On va s'occuper de ce local. On va les terminer une bonne fois pour toutes. Alors. Reste. Poupoudéva, yes, super. Je vais faire une fortification là, pas trop chaud. Vu que j'ai mes deux villes qui sont malades. Là, il manque de nourriture. Oh, c'est super. Je vais faire un siège. Soit il manque de nourriture, soit ils ont la peste ou un truc comme ça. Donc je vais faire un siège et ils vont avoir plus de pertes que moi. Alors. Ok, quelques troupes. Il manquait de nourriture également, ça me va. Ah, pff, terrible, terrible. Maladie, maladie. Pum. Double maladie. Ordre public. Entre mes troupes qui peuvent plus aller en ville parce qu'il y a la peste et les deux villes qui ont la peste. Autant dire que l'ordre public, il se casse la goule. Et bah forcément, moyen d'ordre public, moi j'ai de revenus également. Ça peut devenir problématique à terme. Oh, Davissos, les tribales qui sont revenus. Antea, sans déconner. C'est clair qu'il manquait plus que ça. Hop, on va faire un peu de nourriture. Cette faction détruit Boyens. Ok. Au combat. Colonie assiégée.
Peut-être faire ça, hein. J'aurais peut-être dû le faire au premier tour d'ailleurs. J'y ai pas pensé. J'y pense rarement, pour être honnête. J'y pense extrêmement rarement. Ah, je crois que c'est bon, il n'y a plus la peste ici. Ok. Retourner là déjà. Une nouvelle et qu'elle est bonne. J'irais bien prendre Navissos, mais. L'ordre public est déjà. Déjà pas terrible. J'ai moins 11. Il n'y a plus de peste, mais c'est l'hiver. J'ai quand même bien envie d'aller voir. Merde. Ah, il n'y a pas grand monde, c'est le moment ou jamais en vrai. Occupé, on a pris Navissos, on aura une rébellion là ce tour. Il va falloir faire un peu attention de la cavalerie royale. Ici je risque pas trop grand chose. Plus ça y est, j'ai des balistes. Ça c'est impeccable. C'est ici ça. Je vais avoir de la perte, mais bon, ça va valoir le coup quoi. 5705! Bien sûr que je pille. Ouais, mais tous les jours. Puis je rase. Mais la question ne se pose même pas. Je vais voir si je peux devenir copain un peu avec mes nouveaux voisins. Pourquoi ils m'aiment pas? Ah. Ça vous intéresse un accord commercial? Oh, merde. Oups. Bon, les bastards. Ok, des accords commerciaux, enfin. J'y croyais presque plus. Là, on va peut-être faire un peu la ville. Ah! Bon. Possiblement y avoir encore des rébellions ici. Je vais recruter un. Un général dans ce cas. Hein. Non, j'ai rien pour rétablir, ok. Ah bah impeccable, c'était en plus une quête. Pas fait exprès. Voilà. Quelques unités à distance. Super. Bon. Ça progresse. Ah lui, il a totalement débugué. Tiens, il était perdu de chez perdu. Et il se dit bon, peut-être bouger. Entraînement de cavalerie. Ah, rébellion. Ah, et double rébellion. Navissos et Olbia. Donc là, on va aller chercher. On libère, bien sûr. C'est de la rébellion, on s'en fout. Olbia, ouais, voilà. On les a vu venir. Ça, vous courez pas loin du tout, vous, par hasard. Vache. Ça donne quoi là? Ça donne qu'ils sont obligés de forcer le pas. Très bien. Donc, eux ils vont aller là-bas. Déjà pour commencer. Là on va améliorer la ville. Là, ordre public ça donne. Ça donne c'est toujours pas terrible. C'est toujours pas terrible. Mais c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ah, je peux plus relever de troupes. Les Scordiques, ils sont encore en train de se taper. Oh, Confédération Illyrienne. Ah, c'est Sparte là. Je vais peut-être aller taper les Scordiques une bonne fois là avec, avec une petite troupe. Histoire de piller un peu. C'est ce qu'il faudrait en vrai. Ouh.
vache, les niveaux qu'il prend, ouais. C'est bien parce que ça m'augmente un petit peu les taxes, ça baisse la corruption. Ça a beaucoup de plus-value, pas que de non-agression. Bah non. Non? Non, ça m'intéresse pas. Accord commercial. C'est quoi, ouais? Il va pas durer. Il va pas durer bien longtemps, mais. Attends, il y a une rébellion, oui. Ah, sont où les troupes qui ont fait la rébellion? Alors, je ne vois pas du tout. Je ne sais pas où sont les rebelles. Bon, en attendant, on va aller là-bas. Constitution, j'en ai pour 5 tours. Oui. On peut mettre en marche forcée, hein, je pense que là. Roxolan et Pierre. Ah. Ah. Ça veut dire que possiblement, ils vont se réveiller les autres. Les jettes. Pas loin. Hein. Je leur proposerai. On allait taper sur l'escordique en échange. Ah, ils étaient là? Je les ai pas vus, hein. Vraiment, je les ai pas vus. Les budinesses qui ont pris. Ouais. Bon, les scordiques, on disait. Vas-y, l'éclaireur. Et toi, plaît. Oh, mais c'est pas vrai ça. Je voulais mettre en marche normale, mais disons qu'à force, bah, ils vont prendre du retard, quoi. Comment ça, j'ai des pertes ici? Non. Oh, ils me font chier. Putain, ils sont arrêtés dans des marais à la con, là. Ok, je suis à 3 d'ordre public en négatif. C'est correct. Une salle de réception dès que j'aurai la technologie. Ils m'ont aidé, c'est cool. Même s'ils sont venus chez moi, bon. Pas très très grave. Ouais. Oui. En même temps, j'ai une sacrée cavalerie ici. Hein. Merde. Oh, j'ai fait un mélange de. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait. Que je l'avais mis en zèle. Non. Non. Population Thracia. En ordre public, hein. C'est déjà suffisamment galère. On y est un peu, mais bon. Premier 1, 2, 3 tours. Oui. Pas devoir forcer plus ou.
Non, parce que le temps de reconstitution, 3 tours. Ok. Escordique, là. Ils vont avoir du mal. Oui, j'ai pas d'accord, j'ai pas d'accès militaire chez eux, donc je peux pas non plus les aider comme ça. Ça me va pour l'instant, ça. Même si honnêtement, une bonne probabilité que j'aille chercher dans le dos. Moins 4, moins 4, ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Oui, ils ont une bonne vitesse de déplacement, mine de rien. J'aime même bien. Ils ont pas la déplacement non plus. Ouais. Personne peut être amélioré ici. Dommage. J'ai un peu d'or. Je suis pas particulièrement serein dans le coin là-bas. Je vais recruter quelques nouvelles troupes. Quelques troupes corps à corps, quelques troupes de lanciers et quelques peltasts ou équivalents. Javelot, etc. Déjà, ça me fera augmenter l'ordre public par présence de troupes. Et au cas où on vient de m'attaquer, j'aurai de quoi me défendre un peu, petit peu mieux. Ouais, voilà. On est bien. Ici, fabricant de corps, moins 93. Zoup là, embuscade. Et lui, jusqu'où il peut arriver tranquillement? Pas beaucoup plus loin. Ouais, je vais mettre la faction en contrée, Bruce, ouais. Ici. 800. Ok. Je sais pas ce qu'ils foutent. Eux, ils cherchent juste à me trahir, je pense. Hein. Je le dis honnêtement. Je sais pas. Tour prochain, de toute façon, je leur propose un bon contrat. Un bon traité. Et là, quand même, ils viennent m'embêter, ils prendront quoi? Olbia? Alors, ça m'embêterait, mais. En soi. Une grosse prise, quoi. Je pourrais prendre sa capitale, moi, de mon côté, donc. Techno, on va faire ça. Là, on va dire coucou. Je te propose ça. Contre. Ça. Ah oui, bien sûr que tu acceptes. Et tu n'es pas bête. Ce qui fait que là, en plus, je peux prendre. Guidune. Sans trop me poser de questions. Ah ouais, si, en pillant. Donc, je me pose la question du pillage. Alors, quand je dis sans trop me poser de questions. Ici, ce sera mon pôle recrutement. Oui. Donc, tac. 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 Et d'ailleurs, je vais faire ça.
Hop, dans le sens où je vais aller d'aluminium. Le public est pas terrible. J'aurais bien voulu quitter ma position ici. Par côté, non. Côté ici un peu. Deux unités de cavalerie, j'ai pas d'archer. Ah. Très bien, six archers. Je peux faire que les guerriers traces là. Il me faut du bois. Fonderie Ambrose, il me faut du bois. Merde. Et qui a les pontes? Je pourrais faire du commerce avec les pontes. Déjà les Apuliens. Je peux faire un accord commercial. Et ponte. Il me faut absolument leur bois. Je pourrais payer cher mon bois. Pourrais venir le chercher aussi mon bois si vous voulez. Par contre, c'est moins drôle pour vous les gars, je vous préviens. Y a pas de bois dans les environs. Ah, beau parleur, ça c'est super. Augmenter nos relations avec les autres factions. M'intéresse pas. Ah, je vais prendre Antea aussi, traité de paix. Non. Non, je vais faire une petite libération. Industrie en berne. Oh merde. Il qui couillon lui. Pas bien grave en soi après. Alors, oui. Ok. Ils ont toujours de quoi manger. Par contre, l'ordre public. C'est pas ça. Hein. Là, je peux pas partir. Ah, c'est terrible ça. Ouais, je vais faire ça, allez. En attendant. Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas, eux? Sérieusement, là? Ah ouais! Ah ok. Oh merde. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça, je les ai pas vus venir. Hein. Putain, ils ont bouffé les. Ah bah voilà, bah les bastards, ils ont tout compris. Non, ils ont rien compris. Oh la vache, ils ont bouffé les autres là, les Katiars. Ou je sais plus quoi là. Oh, ils perdent le billet ce tour. C'est pas une bonne nouvelle. C'est clairement pas une bonne nouvelle. Viens là, ils sont saoulants. Bon, je vais la reprendre, mais ils vont avoir le temps de la piller, quoi. De la raser, encore pire. Et de la raser, non de la piller. Ah, si c'est que pillage. Rébellion imminente, sans déconner. Peste. Oh putain. Là, j'ai bloqué un passage. Je le sens pas trop. Je reprends le billard. D'ailleurs, non, je vais aller attaquer là. Je vais. Oh, les pertes! Ah, vache! J'ai tant de pertes que ça. Bon, je relâche parce que. Besoin de thunes. Il peut reculer, je relâche parce que. Non, comment ça il peut reculer? N'importe quoi. Je l'accule et il s'en bat les. Hein? On va falloir faire quelque chose là au bout d'un moment.
Là, je vais avoir la révolte en plus. Comme ça. Une révolte, si ça le solo cas, c'est pas très grave. En fait, c'est pas très grave dans les deux cas. Je vais pas assez de troupes. Faut que je fasse une embuscade, mais là il meurt pas de faim. Je peux pas rester dans la ville, donc j'ai l'ordre public qui baisse. Je vais devoir intervenir. Non, oui, non, oui. Bah non. Va mettre des trucs là qui sont pas intéressants. Oui, ça c'est très bien. Voilà. Bon. Facile. Soloka, ouais, mais Soloka peut tenir quelques tours, donc ça me va. Là, ils ont deux troupes et demie, on va aller chasser avec eux. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Le public, il ne suit pas. Bon. Voilà. Il y a quelques troupes, mais ils sont plus nombreux, ça devrait être bon pendant. Ah oui. Ah bah les Lugiens là, ils sont pas bien. Ok, là ils ont quitté Delminium. Bon, déjà je pille, ça c'est Est-ce que je prends en vrai ça fait deux grosses cités là, ce serait pas mal. Je pille et je rase. Voilà. Là je monte bien niveau d'Imperium. Ça veut dire revenu en berne. Ah. C'est moins sympa quoi. Ok, il me faut ça, ouais. Donc là je vais même pouvoir faire ça. Ordre public pas bon. Ordre public vraiment pas bon. Organiser des jeux. En toute urgence en Thracia. Moins 2. Oh merde. Bon attendez. Je dois pouvoir lever une troupe là. Ouh. Ça joue à rien. Hein. 99, moins 99 d'ordre public. Mais on va pas passer les moins 100. c'est quoi ça? Ah! Ah, il vient de m'aider! Hein? Ah oui, non, d'accord, c'est sur la ville que je viens de prendre. Oui! Ils font les scordiques. Ils font juju avec un juju. On joue avec un agent. Intrus part ça. Qu'est-ce que tu viens foutre ici toi? Ah, c'était peut-être pour les unités le rebelle. Oh, rebelle d'Almat. Oh, vous êtes mignon. Bon. Toujours étant qu'on va vous voler de la nourriture, les gars. Voilà, ici l'ordre public. Bon, pas forcément terrible, terrible, mais bon, on sait pourquoi. Lugien là, donne quoi? Ouais. Ah oui, c'est vrai, je les ai mis en marche forcée. Hein. Ouais. Ça me générait de l'argent. 384, c'est pas énorme, mais. Le fait de ne plus être pillé, ça me génère un peu plus d'argent. Les Lugiens, bon, ils sont 13. Vous êtes 18, les gars.
Je compte sur vous, les bastards. Parce que là. Je peux finir mon vin. Là, il n'y a plus de peste. On Qui ne c'est mange ça? pas avant d'en avoir Nordique, allez mangé. hop. On est à la maison. Et que mon ordre public est augmenté de nouveau. Et là. Là, j'ai même envie d'aller d'aller porter secours à Petrodava parce que j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même un mauvais pressentiment sur ces couillons encore. Oula. Hop, allez, on augmente le niveau. Puis on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, bah j'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Encore merci à tous d'avoir suivi, c'était Tchob.